rapproché, il est arrivé à son but, c'est-à-dire qu'il a fait, il va faire tomber les deux dernières boules. Et vous l'avez vu, la boule d'Olivier, elle est allée se marier avec la boule de Dacreuse qui est au fond. Hein. Donc ça peut ne faire qu'un tir. Je pense qu'on va tirer à ces trois boules alignées. Elles sont parfaitement alignées. Ça veut dire que si la para venait à tirer bien droit, il pourrait frapper triple. Ouais, et on le sait, sur ces terrains très, très roulants. Et c'est fait. C'est fait, il y a 4 points. Ça, c'est vraiment un coup de maître. Hein. Ah, il fallait être parfaitement droit. Ça s'est joué à quelques centimètres, mais c'est parfaitement bien tiré. On le sait, la pétanque, il faut tirer les bonnes boules. Il ne faut pas toutes les tirer, il faut tirer les bonnes. Et celle-là, c'était vraiment une bonne boule à tirer. Je pense que ça fait 5 points. Peut-être 6. 6. Peut-être 6. Oui, parce que c'était la boule à la para qui était restée tout à l'heure quand j'ai dit que la boule était sortie, autant pour moi. Donc c'est ça. Ah oui, Rocher n'avait pas encore marqué, mais quand il marque, ça fait des points. 6 à 4 sur ce tir somptueux là, d'Anthony Laparra.